Et salut tout le monde, c'est Diablo. On se retrouve sur Need for Speed Most Wanted et son let's play pour cet épisode numéro 27. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à visualiser les épisodes précédents pour ceux qui arrivent en cours de let's play. Donc pour ceux qui auraient zappé l'épisode précédent, idem, hein, je ne vais pas vous faire un petit récapitulatif. Mais bon, vous pouvez voir que quand même, j'ai changé de véhicule par rapport à la fois précédente. C'est plus la Mustang, mais la Corvette C7, enfin C6 plutôt, que j'ai gagné en affrontant le numéro 5 de la liste noire. Donc on est parti pour essayer de... Attendez, faut que je retrouve les touches, voilà. Essayer de remplir les objectifs, j'y arrivais, pour affronter le numéro 4, JV, dont on a vu la présentation dans l'épisode précédent. Donc on est parti. Bon, j'avais dit que je ferai pas d'épisode sur les courses, mais on va en faire quelques-unes. On va alterner. Je ferai le reste des courses en off et je ferai l'épisode suivant pour affronter JV. Ou alors, si j'y arrive pas, recommencer les poursuites. Allez, les défis pour tout ce qui est poursuite. En termes de primes, on est largement au-dessus. Ouais, à 300 000 près. Donc on va commencer par les courses, on va faire quelques-unes. Par quoi je vais commencer? Bon, on va faire un péage. On est parti. Allez. On voit ce qu'elle a dans le ventre. Donc vous voyez, j'ai un peu modifié, hein. J'ai pas laissé le sticker du numéro 5. J'ai voulu faire la Corvette à ma sauce. Donc, je pense que c'est pas mal. J'aime bien le orange et noir, donc je suis parti un petit peu dans ces tons là. Par contre là, bon, on est monté à fond normalement. J'ai vérifié, tout est à fond. Il y a même des pièces qui normalement j'ai pas débloqué, qui sont débloquées et déjà installées. Bon, par contre là j'aurais dû ralentir au lieu de foncer quand même. Ouais. Je pense que ça va être la première course du fail. Donc, je suis pas chaud du tout. Ouais, je pense qu'on va recommencer. Allez, reparti. Ah, faut bien que ça arrive, hein. Pas tout réussir du premier coup. En tout cas, j'espère que mon retour vous plaît, hein, mon retour sur la chaîne depuis la semaine dernière. Alors je sais que peut-être je mets trop de vidéos d'un coup, je sais pas. J'ai envie de vraiment avancer au niveau des displays. Donc par exemple pour GTA Vice City, hier, mercredi, hein, on est le jeudi 12 mai. Ouais. Donc le mercredi 11 mai, j'ai balancé 3 épisodes à l'affilée. 3 épisodes d'affilée sur GTA Vice City pour reprendre le let's play. Je pense que c'est un peu beaucoup. Bon, ça fait quand même... ouais, ça fait 1h30 de vidéo. Un épisode de 20-25 minutes. C'est regardable, je pense. Bon, pareil pour la présentation de Rocket League, j'espère que ça vous a plu. Bon, pour l'instant c'est que le tutoriel, mais j'ai l'intention de faire d'autres vidéos quand même. Par contre, le jour même où j'ai fait la vidéo de présentation, j'ai voulu enchaîner avec des matchs, mais j'ai eu quelques soucis pour enregistrer le son de ma voix. Vu qu'il y avait pas mal de bruit derrière, j'étais pas tout seul. Enfin, bref, je vous passe les détails. Fait que j'ai pas mal joué à Rocket League sans filmer, donc je crois que j'en suis à plus de 100 matchs. Je vous ferai d'autres vidéos quand même dessus. Pareil pour Trackmania. Enfin bref, vous comprenez, hein. Bon, je voulais dire,
J'ai rejoint ma team sur Trackmania 2 Stadium, enfin sur Trackmania 2 Stadium, Rocket League et Trackmania Turbo, donc la BRT, la Burnout Racing Team. Je vous laisserai le lien dans la description pour ceux qui sont intéressés. Donc pourquoi j'ai rejoint cette team que j'avais un peu délaissée depuis la GA 2015 à Gamer Assembly. Parce que j'avais un peu laissé de côté Trackmania, c'est un peu gavé. Puis il y avait The Crew qui me prenait pas mal de temps. Enfin, j'accrochais pas mal de fois sur le jeu. Enfin, j'ai du mal à m'exprimer, mais j'espère que vous avez compris un peu ce que je veux dire. En clair, j'ai un peu délaissé Trackmania pour The Crew. Et du coup, la BRT, la team aussi. Vu qu'à l'époque elle était pas trop active. Il y avait la line-up Shootmania, mais à part ça, c'était bof bof. Enfin bon, je suis de retour dans la team et du coup je risque de participer à la ZRT Trackmania Cup. Donc c'est fait par Zerator, hein, pour ceux qui connaissent. Bon, la ZRT Trackmania Cup 4 qui va débuter la semaine prochaine. Là, en ce moment, il est en train de faire les maps sur son stream. On a renoncé à court. Bref, les flics, on va quand même continuer les courses. Donc là, je regagne un sprint, on va le faire directement. Hop, bon, c'est bien, parce que je blablate et ça enchaîne. Et bizarrement, en blablatant, j'arrive mieux. Là contre la Porsche, c'est un peu chaud. Allez, c'est parti. Donc on a quoi, RX-8 et Cobalt. Ok, c'est du sprint. Donc pour en venir à Trackmania Cup, la ZRT Trackmania Cup 4 sur Trackmania 2 Stadium. Je pense y participer avec, si possible, quelques autres membres de la team, la BRT. Alors c'est une compète solo, hein, par contre, hein, c'est pas par team. Enfin, de toute façon, si vous êtes intéressé, pareil, je vous mettrai le lien du site dans la description. Enfin, même le lien de la vidéo présentation de la Cup par Zerator. Voilà. C'est une cup ouverte pour tous. Je crois que demain on a une semaine pour s'entraîner sur les maps. Après le 21 il y a les qualifications. Toute la journée du 21 jusqu'au. Toute la journée du 21 il y a les qualifications jusqu'aux demi-finales. Et après les demi-finales et la finale se dérouleront le 25 juin. Donc 21 mai c'est qualification et 25 juin. C'est la finale et demi-finale à Paris. Dans une salle. En bref. Je pars un peu. J'essaie de me reconcentrer dans le jeu. Là. Vu qu'il y a les flics, je vais peut-être en profiter s'ils continuent à me suivre. Pour faire 2-3 objectifs. J'ai pas vu quels étaient les objectifs. J'ai pas fait gaffe. J'imagine qu'il va falloir que je tienne pas mal de temps. Il doit y avoir quelques barrages à franchir ou même des herses. Cela, on approche petit à petit de la fin du let's play. Et du coup, les jeux objectifs vont être de plus en plus difficiles à avoir. Pour les coups de poursuite. Je vous préviens si je perds. Pour la prime, peut-être. Voilà, hop. Allez, on va enchaîner avec les courses poursuites, c'est nickel. Si ça dure pas trop de temps, je vais clôturer l'épisode juste après. Je ferai le reste des courses en off.
Et je reprendrai pour l'épisode 28 quand on affrontera le numéro 4 de la liste noire. Contre, je sais pas si c'est trop fort ou pas le son des. La voix des flics. J'ai coupé la musique, ça c'est question de copyright. Parce que si je m'en mange trop après, je risque d'avoir des strikes. Alors, j'ai pas vu des objectifs, donc ouais. 325 000 de primes. 100 000 de dégâts. Faire 6 infractions. Et foncer dans le véhicule. Ok. Pour l'instant, je suis niveau 1. Si j'arrive à m'échapper, ce que je souhaite pas, si j'y arrive, je prendrai la Mustang vu qu'elle est déjà niveau 4. Vu que j'ai toujours pas vendu, pour l'instant, je crois. Enfin, je crois parce que j'ai quand même fait les derniers épisodes il y a une semaine. J'ai pu retoucher au jeu depuis. Que je pense que vous voyez bien que j'essaie de diversifier au plus les jeux que je propose sur la chaîne. J'essaie un peu de me détacher de The Crew, même si bon, il y aura quand même des vidéos de temps en temps dessus. Et comme j'ai dit, hein, je proposerai des gameplays sur des gameplays ou vidéos détente où je commenterai dessus, ou je sais pas, peut-être même de la musique sur du Trackmania, du Rocket League. Après je peux refaire aussi du Flatout Ultimate Carnage, Unice for Speed, Rivals ou Undercover ou même un autre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme jeu? Bah, j'ai toujours en projet de faire Nestar Game et Carmageddon Réincarnation. D'ailleurs pour Carmageddon, j'ai réussi à retourner les. Enfin, j'ai réussi à trouver la motivation pour retourner les épisodes 1 et 2. Il faut que je fasse le montage. J'ai publié. Vous les trouverez sûrement ce week-end. Bon bah, du coup j'allais les perdre. Bon c'est bien, on a déjà fait les infractions, sans que je m'en aperçoive. Parce que je roule là tout en commentant, je ne vois même pas où je vais. Je prends les routes au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Bon, par contre ils se traînent là. Hop. Bon, je crois que je devrais retenter après. Et avec un niveau 4, parce que ça rapporte plus de primes et de dégâts. Bon, par contre, je vais faire un petit tour dans les options et baisser le son des voix. Voilà. Voilà, c'est un peu mieux. Bon. Je ne vais pas trop les semer quand même. J'essaie quand même d'avoir au moins deux objectifs. Ce serait bien d'avoir les semer. Je crois qu'il y a une idée. On doit être là. Ah, nickel. Poursuite. Ok, je l'ai même pas touché. J'ai fait exprès de pas le frôler pour
pas le déclencher, ça déclenche quand même. Bon, heureusement il y a un barrage. On va foncer dedans. Okay. Ah, niveau 3. Ça va commencer à être un peu plus difficile, un peu plus intéressant aussi. On a encore une minute avant les renforts. Non, j'ai pas envie de m'arrêter. Je fais un demi-tour et je le perds, mec. Je suis là. Bon, pour l'instant, il n'y a toujours pas de verse. C'est à partir du niveau 4. Ok, le barrage a disparu. Bon bah je crois que je vais l'assumer. Ah, le barrage. On va essayer de foncer dedans. Ça compte comme si j'avais détruit un véhicule, enfin touché un véhicule plutôt. Hop. En marche arrière. Les balades. En plus je les sème quoi. Oh là là, faut que je les attende. C'est compliqué dans ce jeu hein, parce que parfois c'est très dur de les semer et d'autres fois en un virage obligé de les attendre. Bon, par contre là il va bientôt avoir les renforts. Ça va être un peu plus compliqué. Ah, hélicoptère. Ok, ça se déclenche tout seul. Là vous avez bien vu hein, j'étais à 10 mètres à côté. Déclenché tout seul. Même à l'époque, le jeu n'était pas exemple de bug. Putain, il est suivi par contre là. Allez, demi-tour. Et merde. Bon. C'était prévisible. C'était prévisible. Bon. Coincé, cache ou passe. Bon, avec du cache, 1000 ça va. Et par contre, je vais rajouter des. Ouais, une croix, au cas où. Allez, on va prendre la Mustang. On va retenter la chasse aux flics. Hop. Il y a aussi les radars, mais bon. La prime c'est bon, on est large au-dessus. Au pire, si jamais pour le numéro 3, il manque de la prime. Je les ferai en. Je les ferai après. Voilà, on est niveau 3. Puis j'ai celle déjà. Ah, niveau 4, là ça va être un peu plus coriace. 14 véhicules.
Donc là, je m'amuse à exploser tous les trucs. Enfin, monter là, le coup de la poursuite. Ok, les SUV qui sont, normalement devraient nous foncer dedans sont devant. Ouais, on va faire un petit stop poursuite quand même. Je sais pas si ça rapporte aussi. Ah putain, et merde. Forcément. Bon ben, deuxième échec. Ça va être compliqué, je sens, ça va être compliqué. En plus là, je me fais choper. L'indice de recherche descend au maximum, je crois. Bon, je paye avec un pass quand même, 10 000. Ah, je suis toujours x4, ok. Bon. On va retenter avec, hein. Si jamais je rééchoue encore une fois, on fera 2-3 courses, je couperai les fails, je ferai 2-3 courses derrière et je referai un épisode spécial poursuite. Mais je ferai pas un autre épisode de fail. Hein. Le flop que ça a fait, épisode 21. Il y a 2 courses à côté, à mon avis c'est... J'ai pas dû faire toutes les courses, toi, numéro 6, enfin numéro 5 plutôt. Ça me faisait avoir pas toutes faites. Il va me rester une ou deux. Je sais plus. Bon allez, on va faire une course quand même. Tant pis, hein, les flics. Ça attendra. Allez go. Classé de l'élimination. Ah, du coup j'ai pas mis des pièces pour améliorer ce Mustang. Je crois qu'il y a moins de pêche que là c'est la Corvette. L'avoir déjà fait ce circuit. Enfin j'ai l'impression qu'il se ressemble après. J'ai peut-être fait en course contre un membre de liste noire. En circuit. Ça me dit quelque chose. Le même tracé avec le château d'eau ici. J'ai des petits frises, j'espère que ça se verra pas dans la vidéo. Attrapé là, je me fais gaffe. Avec la Porsche. L'autre c'est fail.
ça va être la baston. Bon, c'est Bivès moi, avec des frises. C'est bon. Et voilà. Nickel. Bon, bah moi j'ai arrêté l'épisode ici. Même si on n'aura fait que 3 courses et... et 2 poursuites de fail. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Diablo. Salut.